ça, c'est mes trois enfants et mes deux plus vieux ont leur pièce secrète depuis déjà un bon moment. Mais ma petite Madison, elle, n'a toujours pas sa pièce secrète. Et aujourd'hui, eh bien, je vais lui faire une pièce secrète digne de la famille Ventura! Willibed a adopté Madison pendant 24 heures. Donc j'ai 24 heures top chrono pour lui construire une pièce secrète complètement épique. Étant donné que Madison est très très jeune, il faut que la pièce soit sécuritaire et que ce soit facile d'accès pour tous. Mais qu'elle reste quand même une pièce secrète. Oui, on va vous montrer ce qu'on va faire. Alors voici la chambre de Madison. Comme vous pouvez voir, elle est vraiment petite. Mais je vous le dis, on va lui construire une pièce secrète parce qu'on est les pros de la pièce secrète. J'ai pas le choix, chérie, tu confirmes? Oui. Je dois tout sortir de la chambre. Oui. Son petit lit de bébé parce qu'elle n'est pas bébé, là. Je vais sortir aussi son meuble. On va bientôt recevoir quelque chose de sensationnel dans lequel on va pouvoir mettre la pièce secrète. Vous allez voir, c'est complètement fou. Ça va être tellement beau. C'est hallucinant ce qu'on s'apprête à recevoir. Pendant que je vais recevoir tout ça, maman va partir dans les magasins, acheter tout ce qu'elle a besoin pour décorer. Moi, je vais réceptionner la chose gigantesque qui va faire en sorte que ça va être possible de faire une pièce secrète complètement épique dans cette petite chambre. Alors chérie, je te laisse partir dans les magasins. Oui. Je vais bientôt recevoir tout ce qu'on a de besoin pour construire la pièce secrète. Parfait. Allez, 8h du matin, on fait un entraînement. Allez! Ah! Ah! Allez, Madison! Bon, alors là, maman est partie faire les magasins pour trouver tout ce qu'on a besoin. Et là, j'ai quelqu'un qui va me livrer quelque chose de trop sensationnel. Il arrive à l'instant. Je vous montre tout de suite. C'est trop... Ça va être parfait. Incroyable. Alors, est-ce que vous êtes capable de deviner qu'est-ce qu'on est en train de construire? Ça commence à être facile à deviner. Et voilà! Allez, viens, Madison! Voilà ton bol de céréales! Je viens de trouver des magnifiques mugs. Regardez! Oh, c'est tellement mignon. Donc, Winnie l'ourson. Je le sais que ça n'a aucun rapport avec la chambre de Madison, mais je dois quand même les prendre. Regardez, Barbie. Et celle-là, je crois que c'est ma favorite. Barbie Sport. Elles sont magnifiques. Donc là, je vais les prendre parce que elles sont juste 12 balles. Ça vaut vraiment la peine. Je vais aussi acheter des champignons parce que vous allez voir le décor que je vais faire. Ça va être tellement Madison parce qu'elle adore tout ce qui est nature, animaux, ferme. Donc, je vous réserve la surprise. Donc là, j'ai trouvé ce genre de bac que je vais me servir pour faire un beau DIY. Voilà. Alors, j'ai trouvé le cadre parfait, les amis. Oh, Madison à la ferme! Et je sais exactement où est-ce que je vais le placer. Alors, vous savez que chaque transformation, eh bien, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup et beaucoup de lumière. Alors, j'ai trouvé celles-ci qui vont aller dans un endroit hyper spécial et super sécuritaire pour Madison. Il faut que ce soit sécuritaire étant donné qu'elle a juste 3 ans. Je peux pas laisser plein de lumière, mais j'ai un plan. Inquiétez-vous pas. J'ai trouvé ceux-ci aussi qui vont être magnifiques. Faites-moi confiance, vous allez voir. Alors, j'ai trouvé plein de peluches thématiques ferme, ça va être parfait. Et j'ai aussi trouvé loin de petites abeilles. Et vous allez voir, je vais faire un DIY tellement cute avec ça. J'ai vraiment hâte de vous montrer et j'ai surtout hâte que Madison voit ça. Je vais donner ici un outil magique à Madison. Alors Madison, est-ce que tu veux jouer à la tablette? C'est Madison? Oh, oh non! Bon Madison, on va... Tu veux toujours jouer à la tablette? Regardez comme c'est magnifique, cette maison gigantesque qu'on vient d'installer dans la chambre de Madison. C'est complètement épique. Mais là, je vous parie que vous ne comprenez pas pourquoi on a installé une si grosse maison dans sa chambre. Eh bien, je vais... Priscilla vient de revenir des magasins. Ok, on va aller accueillir Priscilla. Elle va nous montrer qu'est-ce qu'elle a acheté. Et ensuite, je vous montre à quoi va servir cette maison gigantesque et où va se trouver la pièce secrète. Priscilla n'a pas chômé. Regardez tout ce qu'elle a acheté. C'est incroyable. Et là, elle a reçu ses colis juste à temps. Là, il faut faire vite parce que Willibed garde Madison dans la maison. Donc, il faut se dépêcher à enlever tous ces colis-là parce que Madison va se douter qu'elle a des petites surprises qui l'attendent. Donc, on va se dépêcher à tout ramasser ça et monter ça au deuxième dans sa chambre. C'est quoi, chérie? Est-ce que t'as une idée? C'est quoi? Je crois que c'est une cuisinette. Ah, oh non, faut qu'on fasse tout ça. Oh oui. Oh wow, ok. My God, attends, on le montre tout de suite? Non, on garde une surprise. Ça, c'est la pièce de résistance pour la chambre. Est-ce que vous êtes capable de deviner qu'est-ce que c'est? Écrivez-le en commentaire. Hey, chérie, suis le doux son de ma voix. Viens. Oh. Viens ici. Est-ce que je vais foncer dans le mur? Non, t'es correct. Viens, approche-toi. Ok, tu peux ouvrir quand t'es prêt. 3, 2, 1. Maison avec une
pièce secrète. Je vous montre. On va rentrer ici. Comme ça. Ouais, c'est trop cool. Oh, wow, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais petit. Je vais mettre plein de lumière. Et là, n'oubliez pas le titre de la vidéo. Il y a une pièce secrète. Et là, comme vous pouvez voir, il y a une petite échelle ici. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose au-dessus. Oh! Il y a un deuxième étage qu'on va cacher avec des rideaux. Elle va halluciner, les amis. Oh my god! Elle va avoir un espace jeu épique à l'intérieur, au-dessus de son lit. Et t'as pensé qu'elle peut y accéder seulement avec notre aide? Parce que la porte est trop lourde pour qu'elle soit capable d'y aller seule. Va toujours falloir qu'elle soit accompagnée pour aller dans sa pièce secrète. Oh, j'ai trop hâte de décorer tout ça. Ça va être tellement beau. Et puis non, c'est pas la bonne boîte. Tiens, on va prendre un manteau. Le manteau rose. C'est celui-là. Avouez que je suis le meilleur papa. Est-ce que je suis un bon papa? Oui. Et oh. Comme ça. Wow! Ok, donc là, je dois me dépêcher à aller assembler plein de choses parce que je vais mettre plein de décorations dans la petite cabane, mais aussi partout ici. On a avancé le lit, comme ça on va pouvoir travailler d'ici. On va pouvoir venir comme ça, travailler, faire sa pièce secrète au-dessus de son lit, facilement décorer sans avoir à passer par la porte constamment. Donc, ça va vraiment bien aller. Et là, quand on aura terminé, on va repousser le lit sur le mur et là, la pièce secrète sera complète avec son lit juste en dessous. Mais là, je vais aller aider Priscilla à monter tout ce qu'elle a acheté. Parce qu'il semblerait qu'il y a beaucoup d'installations à faire. Donc, je vais aller l'aider immédiatement. Et là, j'ai tout ça à assembler. Ça va être long! C'est tout en 1000 morceaux comme ça. Et on lâche pas, j'ai un matcha. Donc, ça va vous donner de l'énergie. J'ai presque fini de tout assembler, les jeux, les jouets. Et là, je devais vous montrer absolument parce que Madison adore jouer avec la fausse nourriture. Et je lui ai acheté plein de choses comme ça. Regardez les petites tasses, le petit citron, la petite lime. Et regardez les détails, le thé vert. Oh! Tout est beau. Là, je vous montre pas tout, mais je lui réserve un coin jeu dans sa chambre. Ça va être extraordinaire. J'ai installé le petit coin marché. Je sais pas trop qu'est-ce que Priscilla va faire avec ça, mais j'ai confiance. Et là, regardez, on a acheté ça à Madison. C'est tellement cool. C'est non seulement une peluche, mais en plus, elle peut monter dessus et en pesant en dessous avec ses pieds, eh bien, elle va pouvoir avancer toute seule avec son cheval. Alors là, on va placer son cheval à côté de sa petite maisonnette. Je commence à voir un peu le style que Priscilla veut donner à la chambre et à la pièce secrète. Ça va être trop cool. C'est beau, hein? On est bien. Ça fait du bien, plus de téléphone. C'est important d'aller dehors. Ma chérie. Je suis en train de lui monter une petite cuisinette juste pour elle dans sa chambre. Dans le fond, ça va être comme son petit village. Je peux vous donner ça comme indice. Ça avance bien, chérie? Ça avance très, très bien. La petite cuisinette est tellement mignonne. Je dois vous montrer. Ça venait même avec un petit tablier comme ça pour qu'elle fasse comme moi quand je cuisine. Oh! Elle va être tellement contente. Alors, je dois continuer parce que j'ai beaucoup de choses à monter quand même. Là, vous voyez le style que maman est en train de faire pour Madison. Un genre de style vieillot, ferme. Madison adore ce style-là. Fille de campagne. Fille de campagne, exact. J'adore le style, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi, mais on court! Moi, je suis... tu cours trop vite! Comme tout. Waouh! Et là, vous voyez, on a commencé à mettre des rideaux. Donc, la pièce secrète va être vraiment secrète. Elle va être cachée derrière les rideaux. Et là, j'ajoute des petites fleurs ici. Trop mignon. Vraiment très cute. Attendez, je te mets la robe de princesse. Comme ça? Oh, attends. Okay, c'est pour toi, ça. C'est pas pour moi. Oui! Waouh! T'es une belle princesse! Je sais pas comment mettre ton déguisement. Attends. Allô? Oui! Là, on a mis sa petite cuisinette ici et ici, on devrait... Je crois qu'on devrait mettre sa petite table avec ses deux petites chaises, hein? Oui, c'est mignon. On va mettre des petits cadres ici, un peu partout comme ça. Très mignon. Et la petite table, moi, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. La table avec les petites chaises, on va pouvoir jouer à la cuisine, faire des petits repas et accueillir ses amis ici dans sa petite pièce secrète. Et là, elle va adorer. Oublier, je dois installer ses lumières. OK, c'est parti. Je commence à être fatiguée, mais là, on n'a pas le choix. Continuez! Alors, comme à l'habitude, maman nous colle des lumières au plafond. C'est mes nouvelles lumières favorites. Oui, tu les as drées pour la salle de bain et gaming. Et là, soyez à l'affût parce que maman va vous annoncer quelque chose à la fin de la vidéo. Oh oui! Grosse nouvelle, elle prépare quelque chose avec Mariana depuis quelques semaines déjà. Soyez à l'affût, on vous annonce ça à la fin. Waouh, c'est beau! Ah, ça a été un peu compliqué de lui mettre le déguisement, mais on a réussi. Bon, alors, pendant que Madison s'amuse, moi, je vais aller travailler un peu sur mes trucs parce que, voilà, je suis un peu
occupée. Voilà où on en est rendu présentement. C'est tellement mignon. On dirait une petite maisonnette ancienne. Oh! C'est vraiment le style que je voulais donner. C'est tellement beau. Eman est allé chercher tous ses accessoires pour faire de la nourriture. Ça va être vraiment beau. On va mettre la fausse nourriture dans ça. Et j'en ai un autre qui va aller juste là. Alors, on en est rendu là pour le moment. C'est vraiment trop mignon à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, Eman! Vous voyez, elle va halluciner. La crème glacée, il faudrait ajouter une petite tablette peut-être. Ah, je sais pas trop, c'est quand même assez petit. Elle va avoir quand même beaucoup, beaucoup de plaisir. La maison est en place. Elle est collée au mur et là, il y a maman qui travaille ici au deuxième étage. Vous voyez? Oui, on te voit à travers. Là, comme vous pouvez voir, ça commence à être vraiment trop mignon. C'est un véritable rêve. On a installé une petite lumière sans danger. C'est une lumière qui ne chauffe pas. Et Priscilla peut la contrôler à distance. C'est dans le fond, c'est comme une lumière qui n'est pas chargée à l'électricité. C'est comme à la batterie un peu, comme on pourrait dire. Alors, il n'y a vraiment aucun danger. Et là, on va commencer à installer des trucs juste ici. C'est vraiment trop mignon. C'est un véritable rêve, je vous le dis. C'est incroyable. OK, bon, là, chérie, il faut vraiment que tu descendes. Il faut commencer à installer les décorations pour l'extérieur. Ça fait 20 minutes que j'ai laissé Madison seule. Je me demande qu'est-ce qu'elle fait, on va aller voir. Madison! Madison! Qu'est-ce que... Là, on commence à installer les cadres. C'est magnifique. OK, est-ce qu'on en met encore un peu? J'en ai d'autres en plus. Ça pourrait être mignon, peut-être, Margot? Ouais, okay, parfait, je t'aide. Après, on finit. On a mangé le dîner et là, Madison s'est littéralement endormie tout seule. Regardez ça, comment elle est mignonne. Et là, c'est magnifique. Là, vous comprenez pas, Priscilla me surprend toujours, mais là, elle me surprend encore plus. C'est complètement dingue. Regardez comme c'est beau, j'ai trop le goût. J'ai changé les couleurs de... Oh non! Quoi? Willy Ben Mabel! Oh, ça veut dire qu'il est terminé! On peut terminer en même temps! Oh, OK, il OK. Il est terminé de garder deux dunes. Oui, allô? OK. On a terminé? Ben, on a terminé, oui, je pense que oui. OK, on a terminé. OK, c'est bon, parfait. On vient la chercher, bye. Je suis Madison en bas. Elle dort, par exemple, c'est ce qu'il m'a dit. Alors, on a encore un peu de temps. Je vais essayer de ne pas la réveiller, chérie, termine ça, OK? OK, parfait, je vais aller la chercher. Pendant que Eman est parti chercher Madison, j'en profite pour vous dire une très bonne nouvelle. J'ai parti ma chaîne YouTube Priscilla Ventura. Donc, c'est des vidéos où je vais tester des choses, réagir à des vidéos. Et des fois, je vais être accompagnée de Mariana. Donc, ça va être vraiment trop cool. On va s'amuser. Je vous mets un code QR que tu peux scanner avec ton téléphone cellulaire ou ton iPad pour t'abonner automatiquement à ma chaîne YouTube. Il y a mon lien dans la description pour aller t'abonner à ma nouvelle chaîne YouTube. J'ai vraiment hâte de vous voir là! Il y a déjà plusieurs vidéos en ligne, donc va voir et va t'abonner. On va s'éclater, ça va être trop cool! Je te promets, je me suis bien occupée d'elle, comme t'as pu voir. Mais oui, j'ai vu ça. Mais elle s'est juste endormie. Je vais comme juste placer les dernières choses. Je vais m'assurer que ces petits draps soient bien placés. Oh my God, elle va halluciner. Regardez, j'ai même mis des petites abeilles. Et ces peluches de maman lapin avec ses bébés. Oh! OK, je crois que tout est beau, hein? Allô, Madison. T'as passé une belle journée avec Will? C'était le fun? Est-ce que tu sais qu'on t'a préparé une surprise? Tu nous as entendu, hein? Tu nous as entendu préparer ta surprise? Tu le savais! Oh, ma petite vilaine! Tu fais des bêtises, toi! Pendant que j'attends Madison et Eman, j'en profite pour te dire d'aller t'abonner à ma chaîne YouTube Priscilla Ventura React. Ça va être tellement fun! On va avoir beaucoup de plaisir ensemble. Mais là, t'as pas été capable de la voir. Non! Ah, alors tu l'as pas encore vu. OK. Est-ce que tu veux aller voir la surprise? Oui! C'est dans ta chambre. Comme avec Mariana et Ez, on a transformé ta chambre. Et là, je te donne un petit défi, OK? OK. Je te donne 10 secondes pour trouver la pièce secrète. Il y a une pièce secrète dans ta chambre. OK. On n'a pas juste fait une transformation de chambre, on a aussi mis une pièce secrète dans ta chambre. Ah, faut-tu fermer les... Tu veux fermer les yeux? Oui. OK, tu vas fermer les yeux. OK, c'est ton tour. Je nous dis ton go, maman. Go! Pour te pratiquer à faire du cheval! Comme maman, papa, Mariana et Ez!
C'est doux! C'est doux. Ah, t'es contente? Est-ce que c'est beau les décorations que maman l'a choisi? Oh! Tu veux me faire un câlin? Oh, que je t'aime! Ma belle doudoune! Et là, Madison, tu te rappelles du défi que je t'ai lancé? T'as 10 secondes pour trouver elle est où la pièce secrète dans ta petite maison. On commence là? Oui! Go! Faut que tu trouves la pièce secrète! Elle est où? Elle est où? Là-bas! Et où la pièce secrète, Madison? Oh, oui! T'es rapide! T'es trop rapide, bravo! Est-ce que tu veux aller voir ta pièce secrète? Parfait!